comme un homme noyé dans une rivière. On vantait faire quelque chose pour lui, pour les secourir. Il faut d'abord la lever de la rivière et ensuite faire sortir la rivière en lui pour son salut, Jésus. Nous étions dans les eaux des crédos, Seigneur, tu nous as enlevé là-dedans. Et pour alors vie dans nous ces crédos, nous devons passer par nos épreuves, Jésus, passer par nos épreuves. Il faut souffrir pour régner. Dans le monde, on la trouve toujours dans la boue, dans la saleté. Malgré que l'or est élevé dans l'embouche, elle n'est plus qu'après être battue par les marteaux et les feux. Nous étions dans la boue du péché, Seigneur, tu nous as enlevé là-dedans pour manifester la divinité de Jésus. Nous devons être bâtis comme de l'or, Jésus. Et là, c'est par nos épreuves. Il faut souffrir pour régner. Pour régner. Même le Christ est passé par la passion. Et son nom a été élevé au-dessus de tous les noms. Israël, le peuple de Dieu en Égypte, a acquis le sales habitudes de l'Égypte. Pour qu'il mérite Canaan, dans le désert pendant 40 ans, Jésus. Il marchait de quelques jours, mais et au fait 40 ans, Jésus-Christ, Dieu les a taillés par les souffrances, bien-aimés, pour que les incrédules périssent dans les déserts. Et là, c'était par nos épreuves, Jésus. Et là, c'était par nos épreuves. Il faut souffrir pour régner. 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 David traversa trois choses. Apprends à l'ours, dans les champs et les tuyaux. Ensuite, affronte à Goliath le tuyau. En fait, son roi se tourna contre lui, le roi Saül. Parfois, Dieu permet que tout bien-aimé se tourne contre toi, mon frère. Besoin d'un caractère bien aimé. Cela n'est pas c'est donc comme la prophétie, mais cela est une victoire, mon ami. Cela est une victoire.